Comment ça va aujourd'hui, mes petits margoulins? Moi, ça va nickel, les potes. Écoutez, ça fait pas longtemps qu'on s'est retrouvés, c'était la semaine dernière, mais j'avais tourné toutes les vidéos à la suite, donc en fait, pour moi, ça fait un petit moment. Aujourd'hui, les gars, j'avais envie de changer un peu de tout ce qui est Star Étincelante, Astro Radio, en fait, j'en ai pas encore ouvert, mais voilà. Aujourd'hui, les amis, j'avais envie de revenir un petit peu, faire un bond dans le passé. On va s'ouvrir un petit coffret célébration Nymphalie. J'en ai pas mal de côté. Bah d'ailleurs, on voit normalement. Là, j'ai quelques coffrets de côté. Justement, je les garde pour faire des petites vidéos comme ça de temps en temps pour les ouvrir. Donc écoutez, on va se faire plaisir avec ça. Et puis, ce que je vais ouvrir aussi aujourd'hui, ça, c'est grâce à mon frérot PokéKiller. Il avait fait un live pour les 300 abonnés. D'ailleurs, regardez, j'ai eu un petit sticker avec. C'est marrant. C'est stylé. Du coup, j'ai gagné ces deux boosters qu'on va ouvrir avant le coffret. Et donc, bah écoutez, c'est parti les amis, let's go. Bon, du coup, ce sont deux boosters Shymin, mais en soi, c'est pas grave, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, surtout. Donc, les gars, j'espère qu'on va avoir du lourd. La dernière fois que PokéKiller m'avait fait gagner un truc, c'était la Pokébox, et dedans, j'avais eu le Corboss Rainbow, donc si on peut avoir autant de chance, genre, choper le Drac dans un de ces deux boosters, les gars, ce serait vraiment insane, parce que dans toute la display, je l'ai pas eu, je vous rappelle, donc ça pourrait être vraiment dingue. Allez, ah. Je viens de me spoil, allez le code pour vous, je crois que je vous ai spoil aussi. C'est pas grave, on va y aller comme ça. Allez, énergie, acier, attention de Chiren, Pachirizu, Saltimbanque, Étourmi, Neuneuf, Balignon, Tiplouf, Tortipouf, on a tous les starters dans le... Oh, un autre Balignon mais cette fois en reverse, et est-ce qu'on va avoir quelque chose? Un Dracarmin en rare simple. Bon, c'est pas le plus gros booster que j'ai connu de ma vie. mais bon. C'est un, encore une fois, c'est un booster cadeau. Hein, donc, j'ai clairement pas me plaindre. Hein, c'est des cartes en plus que j'aurais pas eu sans PokéKiller. Donc, je vais ouvrir comme ça parce que je galère à les ouvrir. Hop. Cette fois, on se spoil pas. Le code, il est là pour vous. Allez les amis, j'espère qu'on va avoir quelque chose. Énergie Acier, Ami de Galar, Dimoré, Incizache, Crémy, Carabing, Mélofée, Seribou, Caraclé, le casque Marmite en reverse, je crois que je l'avais jamais eu en reverse, le casque Marmite, et Ordre du Boss en holographique. Bon, c'est pas le plus gros tirage de la décennie, mais voilà, bon, on a une petite holo, hein, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, je vais la mettre là. Ça reste une holo... basique quoi, mais bon, ça fait toujours plaisir, donc voilà. Et maintenant les frérots, le petit coffret célébration. Putain, ça fait un moment que j'en ai pas ouvert du célébration. Je suis toujours en kiff d'ouvrir ce genre de coffret, parce que là, mine de rien, ça va faire un moment déjà, ça va faire quasiment un an en fait qu'ils sont sortis, hein, les coffrets célébration. Du coup les amis, on commence à connaître, hein, la jumbo Nymphalie Obscure et la carte Nymphalie Obscure, elles sont vraiment magnifiques ces cartes. Je les kiffe toujours autant. Le petit code pour vous pour le coffret, voilà, ça fait toujours plaisir. Et du coup, bah, les boosters, bien entendu, ce qui nous intéresse, c'est ceux-là. Hein. Mais j'avais carrément oublié d'ailleurs qu'il y a des boosters aussi, là, du coup, style de combat dans le coffret. Donc on va commencer par style de combat, en espérant choper quelque chose de sympathique. Bon, là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de spoil possible avec ces codes-là, donc ça fait toujours plaisir. Hop, pour vous le code. Parce que c'est vrai que les cartes à code qui spoil, franchement, c'est relou, quoi. Enfin, au bout d'un moment, on en a un peu marre, quand même. Allez, énergie obscure, recycleur d'énergie, urne de vitalité, ouvrifier, ouais, c'est ça, Archéomir, Grécui, Pachirizu, Kung Fuin, Balbuto, une petite énergie 1000 points en reverse, et on commence avec un monsieur Glaquette de Galar, monsieur Claquette de Galar, je dirais même, qui est vraiment pas la carte la plus ouflée. D'ailleurs, je vous ai pas montré ça, c'est des petites pochettes ultra pro qui se slide par le côté. Bah ça c'est pareil, je les ai eu avec les deux boosters de PokéKiller, donc encore une fois je le remercie, ça fait vraiment plaisir d'offrir ce genre de truc, en plus des sleeves ça sert quoi, donc franchement c'est cool, encore une fois merci à lui de faire ça pour sa commu quoi, parce que moi je suis abonné à sa chaîne, et je vous invite d'ailleurs à aller vous abonner à sa chaîne si c'est pas déjà fait, parce que c'est un gars qui est vraiment cool, et puis ouais, il fait pas mal d'ouvertures aussi, donc voilà. Hop, le petit code, tac. 1, 2, 3, 4. J'espère dans les célébrations on va avoir quelque chose, les gars. Franchement, célébration, c'est une série que je kiffe à mort.
Et j'aimerais vraiment, vraiment choper le Dracaufeu. Je pense que vous l'avez compris maintenant depuis le temps. Moi, c'est le Dracaufeu que je recherche avant tout. Allez, énergie ténèbres, multi-XP, Vagomine qui est très moche, Coléodome, Charpenti, Écrapince, Cacnea, Misdibule, Spoink, Écrapince en reverse et Shaofuin en rare sim. Donc un booster vraiment éclaté au sol. Mais c'est pas grave, je préfère ne rien avoir dans les boosters style de combat et avoir du lourd dans les célébrations. J'espère. Hein. Attends, regardez-moi ces beaux boosters là, ça fait trop plaisir de voir ça et d'ouvrir ça. Allez. Voilà, bon, on fait pas de 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hein. Enfin, de toute façon, on peut pas, il y a que 4 cartes. Mais on y va quand même, on y va franco comme ça. Allez, Reshiram, Lugia. J'ai pas les... C'est sérieux ça? Ah putain. En vrai, je suis content. Enfin, je suis refait. Hein. Sincèrement, je suis refait de l'avoir. J'aurais préféré le Dracaufeu, hein, sincèrement. Mais par contre, je suis refait de l'avoir. Et Pikachu Surfer VM. Ah bah, j'ai oublié qu'il y avait un code. Tiens, hop, cadeau. Mais non! Le deuxième Noctali Star de la chaîne, les gars, on en a vu déjà eu un. Désolé les amis, petite contrainte technique, ma caméra n'avait plus de batterie, voilà, tu connais. Donc du coup, j'en étais là, je disais, le deuxième Noctali Star de la chaîne, c'est incroyable, les gars. C'est incroyable, cette carte, elle est bah, quand même assez rare, hein, qu'on puisse se le dire, il y en a qui l'ont même pas eu. Et moi, c'est la deuxième que je chope sur la chaîne, c'est incroyable. Et le petit Pikachu Surfer VMAX, je crois que je l'avais jamais eu en VMAX, je suis pas sûr, faudrait que je vérifie. Mais vas-y, je suis refait. J'aurais préféré le Dracaufeu encore une fois, mais je vais pas me plaindre, hein, clairement pas. C'est abusé. Je suis sincèrement refait. Si on peut avoir autre chose dans le coffret, ce serait incroyable. Ça reste de la chance, hein, donc on peut aussi avoir d'autres trucs dans le coffret. Après, avec ce genre d'ouverture, j'y crois pas trop, mais bon, on sait jamais. Allez, Kyogre, Groudon, Lugia. Et Solgaleo, et le code. À chaque fois, j'oublie le code. C'est vrai qu'il y a des codes aussi dans Célébration, pardon. Donc ce booster-là, par exemple, était un peu moche. Mais bon. Allez, on continue. Tac. Le petit code, il fait plaisir. Tain, les gars, je suis refait. Si on peut aller chercher le Dracaufeu, c'est encore mieux. Dialga, Reshiram, Zekrom. Et un petit gros tichou qui est pas très rare, mais qui est une carte quand même sympa. Hein. Toujours plaisir d'avoir ce genre de carte. Je sais pas s'ils ont les boosters, là. C'est peut-être le fait d'avoir été stocké ou j'en sais rien, mais... Ils sont bizarres, ils s'ouvrent bizarrement, mais bon. C'est pas grave. Hein. Ok, allez, le dernier, les gars. Le dernier booster de cette vidéo, j'espère qu'on va aller chercher du lourd. J'espère qu'on va aller chercher du lourd. Si on peut aller prendre un petit drac... Je suis refait. Allez, Dialga, Zekrom, Cosmog et Pikachu Surfer normal qui est cadré avec le Fion. Hein. Sincèrement, là, il est cadré avec le Fion, mais comme jamais un Fion n'a cadré une carte. Donc voilà, les gars, bah écoutez, j'allais dire mitigé, mais non. On a quand même eu la Noctalie là. Incroyable, je vais tout de suite la mettre sous sleeve d'ailleurs. C'est incroyable de l'avoir une nouvelle fois cette carte. Bah, en vrai, je vais essayer de l'échanger. Je l'ai déjà, la Noctali Star, donc je vais essayer de l'échanger contre un Dracaufeu. Voilà, bah, c'est un peu la carte qui m'intéresse le plus hein, dans Pokémon Go. Dans Célébration. D'ailleurs, Pokémon Go, j'ai acheté un coffret Noix de Coco d'Alola. Je l'ouvrirai, mais pas tout de suite. Mais c'est prévu. Donc voilà, les gars, bah écoutez, ça fait plaisir. Hein. Petite vidéo chill comme ça. Je m'attendais vraiment pas à grand chose hein, en ouvrant le coffret. C'est le premier qui passait sous la main en plus que j'en ai d'autres, donc c'est royal. Donc voilà les amis, la carte de la vidéo, hein, la Noctali Star, qui est vraiment 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 magnifique cette carte. Incroyable. Franchement je suis refait. C'est la seule entre guillemets bonne carte qu'on a eue, voilà, mais ça rembourse tout le coffret déjà, donc ça fait trop plaisir. En tout cas les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez autant kiffé que moi choper cette carte dans le coffret. Le pire c'est que j'y suis allé vraiment comme ça quoi, tu vois, je me rappelais plus que effectivement la carte Banger elle pouvait être en avant-dernier, je sais pas pourquoi c'était en dernière position pour moi, mais non effectivement c'est l'avant-dernier. Bref, donc encore une fois les amis, vous le savez, je vous le demande à chaque fois, je sais c'est relou, mais
lâchez un like sur cette vidéo, s'il vous plaît, et surtout, le like, bah, c'est important bien sûr, mais surtout, abonnez-vous, putain, abonnez-vous les gars. Là, la dernière vidéo, d'ailleurs, elle a fait 235 vues, je sais pas pourquoi, mais tant mieux, enfin, je suis refait d'avoir fait plus de 200 vues sur une vidéo, c'est incroyable pour moi déjà à mon niveau. Donc là, si on peut continuer comme ça, et puis abonnez-vous, parce que bah, plus vous abonnerez, plus il y aura de vues. Et comme je vous ai dit à chaque fois, enfin voilà, on va monter en grade. Donc voilà, les gars, je suis refait. En tout cas, lâchez votre pouce bleu, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les potes.